Moi, ce qui fait, ce que j'ai fait ou pas fait, ça a été mes convictions et mes certitudes. Et des fois, j'étais trop loin avec des coachs, avec des dirigeants dans les paroles. Même à Lyon, tu vois, je me suis disputé avec Claude Puel plusieurs fois parce que j'avais mes convictions et que j'étais têtu. Mais Et tu te dis, bon, bah, ça a à un moment chauffé donné. dur, ça a chauffé dur avec Claude Puel, vraiment. Ouais, compliqué. Mais pas qu'avec lui, avec d'autres personnes. Parce que, en fait, comme tu sais, je suis très très calme. Mais à un moment donné, quand ça va trop loin, même moi, quand je m'énerve, c'est quand tu refroidis 1 heure après, tu te dis, putain, qu'est-ce que j'ai foutu encore? Tu vois, tu te dis, merde. Et parce que je sais que je ne veux pas aller dans cet état-là, parce que je me connais depuis tout petit, et qu'à un moment donné, je sais que quand ça monte trop, bah, il n'y a pas de marche arrière, Mais tu as et la que je vais tarte aller au bout de facile, ce que j'ai à Mathieu? faire. Plus maintenant. Maintenant, on vieillit. Ouais. Mais à une époque, Maintenant, je oui. vieillis. J'essaie de prendre du recul, mais. Après, tu sais, j'ai une façon de parler aussi où quand je m'énerve, ça sort très très vite. Et On dirait pas. j'ai la langue un peu mauvaise des fois, mais parce que voilà, j'ai des fils qui se touchent. Alors, c'est pas souvent, heureusement. Et comme je t'ai dit, je l'ai regretté souvent parce que c'est comme ça, tu vois. Mais même à Lyon, quand je me disputais avec Claude Puel, c'est Pat Collo à l'époque qui vient me parler après pendant 1 heure ou 2 pendant que ça redescend, tu vois. Mais c'est fait, c'est fait. Et comme j'ai dit, j'assume ce que j'ai fait. Voilà, j'ai pris des amendes dans des clubs pour mon comportement, même à Nice, etc. Parce que j'estimais que c'est dans mon droit et quand tu me manques de respect, et voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors après, tu te dis 1 heure après, tu te dis, putain, qu'est-ce que j'ai foutu? Tu vois, des fois, je rentrais chez moi, même à Paris, avant d'aller à Saint-Étienne, j'ai eu une dispute avec un membre du club. Quand je rentre, je dis à ma femme, bon, on va partir à Saint-Étienne. Elle me dit, qu'est-ce que t'as encore foutu, tu vois? J'ai dit, j'étais trop loin. Elle m'a dit, donc, j'ai dit, faut qu'on parte. Voilà, c'est comme ça.